C'est un plaidoyer de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action en faveur des autorités provinciales et des leaders d'opinion. Ils sont tous là. Le président de l'Assemblée provinciale par intérim, le membre du comité de sécurité, les confessions religieuses ainsi que les gouverneurs de province Constant Lomata. Après les mots de bienvenue prononcés par l'exécutif provincial sur le directeur du programme national de lutte contre le paludisme qui a arrosé l'auditoire sur l'organisation, la planification, la mise en œuvre et les résultats attendus. Puis vint le tour du conseil du ministre national de la Santé qui a focalisé son exposé sur les attentes du ministère de la part des autorités provinciales et des leaders d'opinion dans cette campagne. Pour Constant Lomata Kongoli, le paludisme est la cause des morbidités et des mortalités dans la Tchopo, son appropriation, mieux son implication et donc le cheval de bataille de son gouvernement. Une campagne qui devra déboucher à la remise des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à plus de 700 000 ménages à la fin du mois d'avril dans la province de la Tchopo. Elle bénéficie de l'appui logistique de l'ASBL Santé Rurale. Bien avant, la délégation du ministère de la Santé publique venue de Kinshasa a rendu de civilité au président de l'Assemblée provinciale, au ministre provincial de la Santé, au président de la Fédération des entreprises du Congo ainsi qu'au gouverneur des provinces.